On demande de calculer x deux nombres x, y appartenant donc au nombre réel, donc ils peuvent valoir n'importe quoi comme nombre, virgule, pas virgule ou pas, on s'en fout, que fractionnaire ou. Sachant que x plus y, j fois oméga est égal à 2. Oméga étant une racine cubique. Bon, une racine cubique de 1, mais bon, elle peut être complexe ou réelle, on s'en fout. Hein. Bon, je vais prendre les deux, les trois cas de figure. Je prends, parce que dans les complexes, il y a deux cas de figure. Et dans le réel, parce qu'il y a deux complexes conjugués, dans le réel, il n'y en a qu'une seule. Donc, je prends les trois cas de figure. Bon, si maintenant on avait dit que oméga est une racine complexe, à ce moment-là, je prends que deux cas de figure. Mais ici, je prends les trois cas de figure parce que ce n'est pas restrictif ici. Bon, x plus y, je vais faire le premier cas de figure. Si oméga vaut 1, hein, si on a la première racine cubique qui vaut 1, à ce moment-là, x plus y, j est égal à 2 sur 1, ce qui fait 2. Et là, on a tout de suite la réponse. Et là, c'est assez simple, puisqu'on a 0, 2 plus 0j. Donc, que vaut x? X vaut 2. Que vaut y? Ben, y vaut 0. Voilà. Ça, c'est trouvé. On a trouvé pour la racine cubique quand elle vaut 1. Bon, maintenant, je vais traiter. Voilà, ça c'est pour la seconde racine cubique. Là, elle est complexe. J'inverse, je fais juste l'inversion. Je multiplie par un complexe conjugué. Je distribue. Je mets en évidence. Je simplifie. Je redistribue le signe. X vaut moins 1. Y vaut moins racine 3. Bon, maintenant, je vais chercher l'autre racine qui est conjuguée. Donc, si elle est conjuguée, moins 1, moins racine 3 ici, ça change ici, ça change là, ça change ici, ça change là, ça change là, ça change ici. En dessous, ça change pas. Ça change ici. Et ça change ici.
Donc le x vaudra moins 1 et le y vaudra racine de 3. Voilà. Merci.